Thank you.
Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont dans la salle, bonjour à ceux qui sont en direct. C'est vraiment une grande, grande, grande joie de pouvoir se retrouver ensemble dans ce lieu de culte. Ça fait tellement longtemps qu'on a attendu ça. Et vraiment, je veux vraiment remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir se rassembler. Je ne sais pas si vous, vous êtes heureux. En tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment content. Et vous qui êtes en live, vraiment, soyez bénis. Je suis vraiment content de pouvoir partager ces moments avec vous aujourd'hui. Et pour commencer ce culte, j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble pour louer et pour adorer le Seigneur. Amen. Vous qui êtes à la maison, soit vous vous levez, soit vous restez assis. En tout cas, notre esprit est connecté avec vous et vraiment on prie que le Seigneur conduise ces moments pour la gloire de son nom. Amen. Donc pour commencer ce culte, on va prendre ce chant qui dit « Voici le jour que le Seigneur a fait ». Vraiment, c'est une joie, une grande joie d'être ici ce matin. Et on veut célébrer notre Dieu, on veut célébrer notre roi qui nous a accordé le privilège et l'opportunité de le louer tous ensemble. Alléluia. Amen. Entre temps.
sur le chemin. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Voici le jour. Car voici le jour. Car voici le jour. Car voici le jour. Alléluia Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur parce que ce matin tu nous réunis Seigneur dans ta maison pour te louer et pour t'adorer Seigneur. Nous sommes vraiment heureux Seigneur de pouvoir nous rassembler Seigneur en ton nom. Seigneur mon Dieu, unis comme un seul peuple pour adorer ton saint nom. Merci Seigneur pour cette grâce et ce privilège. Et ce matin Seigneur, nous voulons vraiment disposer nos cœurs à te louer et à t'adorer parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire Seigneur mon Dieu, mon roi. Et tes enfants te célèbrent ce matin Seigneur mon Dieu. Tes enfants Seigneur élèvent leur voix pour t'adorer et pour te célébrer parce que tu es bon. Tu es merveilleux, tu es grand Seigneur. Alléluia. Chaque vie, la mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, acheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré,
encore haut. Chante-le avec foi, libéré, racheté. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des âmes. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai des âmes pour toi. Libéré, racheté. Ce matin, nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons te chanter, Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, de cette liberté que tu nous as accordée. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce rachat que tu as opéré pour nous sauver, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, c'est avec des cœurs reconnaissants, Seigneur, que nous approchons de toi, pour te dire que nous t'aimons, Seigneur, pour te dire, Seigneur, que nous te sommes reconnaissants, pour te dire, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous estimons et nous valorisons, Seigneur, le sacrifice que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur mon Dieu. Seigneur, reçois la louange, Seigneur mon Dieu. Reçois l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ en ce lieu ce matin, qui est digne de louange, qui est digne de gloire. Alléluia. 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 Le prochain chant est un chant d'adoration. Nous servons un Dieu puissant, nous servons un roi glorifié, un roi qui règne en majesté. Un nom, il a un nom qui fait trembler les ténèbres, qui fait trembler les nations. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et encore ce matin, nous voulons adorer ce nom de Jésus. Je lui chanter Hosanna. Hosanna à toi, Seigneur, toi qui es digne de louange, toi qui es digne d'adoration. Alléluia. Génération. Je vois une génération.
Ce matin, chante Hosanna, 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 tu m'aimes, Seigneur. Chante Hosanna, 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 toi Seigneur. Seigneur, ton peuple est là ce matin pour t'adorer. Ton peuple est là pour te louer, Seigneur. Je sois adoré, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Hosanna. Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, toi Seigneur. Alléluia. Adorons, adorons. Adorons celui qui est élu. Adorons celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Élevons nos voix pendant quelques instants, collectivement. Célébrons le nom de Jésus. Alléluia. Prenons autorité sur la peur, sur la crainte, sur tout ce qui pourrait saisir nos cœurs d'une manière ou d'une autre. Et célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, merci Jésus. Simplement la musique avec nous et on adore le Seigneur. Vous qui êtes au balcon, célébrez le Seigneur, adorez Jésus, les familles qui sont rassemblées, vous qui êtes là en bas, célébrons ensemble le roi des rois, alléluia. Ça fait tellement longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver ensemble pour adorer Jésus. Quel bonheur Seigneur, alléluia, sois béni, alléluia, nous glorifions ton nom.
Amen, amen. Élève ta voix ce matin, alléluia. Adore le roi ce matin, glorifie le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Oh, tu es merveilleux. Célébrons ensemble, élevons le nom de Jésus ensemble ce matin. Alléluia, ne reste pas dans ta timidité, dans la crainte. Saisis la victoire ce matin sur le découragement. Le Seigneur est celui qui relève, qui fortifie maintenant. Alléluia. Il est celui qui va te donner une force nouvelle. Ne te laisse pas impressionner par tout ce que tu peux entendre ou voir. Il est celui qui dirige ta vie, qui conduit ta vie. Alléluia. Et c'est lui que nous célébrons et que nous honorons encore ce matin. Alléluia. Oui, adore, adore-le, célèbre-le. Il est merveilleux. Oh, à toi la louange et à toi la gloire. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous honorons ta présence dans ce lieu. Alléluia. Reviens bientôt. Il est là. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna. 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 Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Chantons ce matin, Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi pendant quelques instants ce matin? Oui, Hosanna, à celui qui vient, au Très-Haut, alléluia.
Adorons encore, adorons. Parlez au Seigneur ce matin. Apportez-lui votre adoration, votre action de grâce, votre louange. Dites-lui simplement merci. Oh. Est-ce qu'ensemble on peut lui dire merci Seigneur? Parce que tu ne nous as pas abandonnés. Qui a été abandonné? Non, il est là, il est avec nous. Seigneur, merci. Parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci parce que tu ne nous as pas délaissés. Merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur tes promesses, sur tes grâces, jour après jour, semaine après semaine. Malgré les temps, les moments difficiles, les combats, les luttes, tu es là, tu es présent. Et c'est pour ça qu'il y a encore dans notre cœur ce matin de la joie pour l'adorer. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie dans votre cœur pour l'adorer ce matin? Amen. On l'acclame ensemble parce qu'il est vraiment merveilleux. Merci Jésus pour ta fidélité. Nul est semblable à lui. Merci à la louange. À vous qui avez repris ces cultes, j'aimerais saluer également toutes ces dizaines de personnes qui sont connectées également sur Internet et qui nous suivent ce matin. Salutations à chacun d'entre vous également. Nous avons essayé en quelques jours de mettre en place la technique nécessaire pour pouvoir nous retrouver. J'aimerais saluer. Est-ce que vous m'entendez bien, vous qui êtes au balcon là-haut? Super. Moi, je ne vous entends pas, alors vous pouvez crier très fort. Mais vous nous entendez, ça va. Ok, s'il y a un souci, vous faites signe et puis on essaiera de régler ça. Un grand merci à ceux et celles qui, sur Reims, que ce soit à l'organisation, que ce soit à la technique, que ce soit dans tous les domaines où vous avez contribué pour que nous puissions ensemble arriver à mettre en place ce culte dans tous les domaines, parce que sur Internet et puis concrètement ici dans la salle, nombreux sont ceux qui sont venus nous donner un coup de main pour pouvoir faire en sorte que nous puissions nous retrouver ensemble ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut les remercier? Alléluia. Merci à ces bonnes volontés. Et je suis sûr que vous avez aussi envie de servir. Je vais le dire en version française. Excusez-moi, là, j'ai juste la traduction. Je disais, je suis sûr que vous aussi, vous avez envie de servir. Amen. Alors, on a tout prévu. Vous pouvez aller sur Internet et nous avons mis un formulaire qui s'appelle « Recrutement ». Vous allez sur notre site mcechampagne.fr. Vous avez dû normalement recevoir par SMS ou par mail ces informations et vous pouvez vous inscrire. Si vous n'avez pas Internet, ce n'est pas grave. En sortant dans le hall d'entrée sur la table, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez une petite feuille qui est là. Vous pouvez prendre ce document, vous inscrire, afin que nous puissions mettre en place toutes ces équipes dont nous avons besoin aujourd'hui pour redémarrer nos cultes en présentiel avec les problématiques que vous connaissez, chacun d'entre vous, de ce que nous traversons actuellement dans notre pays. Peut-être qu'il y en aura pour quelques mois, peut-être qu'il y en a pour quelques années, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on se prépare et rien ne doit nous empêcher de pouvoir continuer à célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Alors on s'organise, on met les choses en place pour cela. Quelques annonces rapidement avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu et de pouvoir méditer pendant quelques instants. Vous avez remarqué, nous sommes ici dans un lieu public, le port du masque pour toutes les personnes qui ont plus de 11 ans est bien entendu obligatoire. Les conditions qui nous sont imposées pour les lieux de culte sont beaucoup plus strictes. C'est pas grave, ça va. Les conditions qui nous sont imposées pour les lieux de culte sont beaucoup plus restrictives que pour tous les autres lieux publics qu'il y a en France aujourd'hui. On a simplement été oubliés. Personne ne se soucie vraiment de ce qui se passe au niveau des lieux de culte. Donc on est toujours sur les décrets du mois de mai. Avec les restrictions, quand nous appelons en préfecture en disant « Est-ce que nous pouvons recevoir les enfants? Est-ce que nous pourrons relancer nos cultes pour enfants, etc. ?» parce que les écoles le font, eh bien on nous dit tout simplement que nous, on n'est pas une école et donc pour l'instant, on ne reçoit pas d'enfants. Voilà. Donc, on est en train de travailler à ça auprès de notre gouvernance. D'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent, eh bien merci de faire le nécessaire pour que nous puissions prochainement aussi avoir exactement la même réglementation
que ce qui se passe ailleurs dans les lieux publics. Cela dit, aujourd'hui nous respectons la loi et nous ne pouvons pas donc recevoir pour l'instant les enfants dans nos cultes habituels comme nous le faisions et nous allons voir au fur et à mesure comment les choses vont pouvoir se faire. Si pendant toute cette période, vous ne recevez pas encore actuellement nos informations, que ce soit par mail ou que ce soit par SMS, eh bien, à la fin de ce culte, n'hésitez pas à voir Charlène, c'est celle qui, la sœur qui vous a accueilli tout à l'heure et qui a pointé votre présence ici dans ce lieu ce matin, et donnez vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre nom, etc., votre adresse email, afin que vous puissiez recevoir les informations régulières. Je disais donc que le port du masque est obligatoire. Merci de faire en sorte de le maintenir pendant le temps de louange, pendant le message, jusqu'à la fin que vous sortiez de ce lieu et d'éviter, bien entendu, de vous déplacer dans la salle le plus possible pour que eh bien, nous puissions respecter les normes sanitaires. Nous serons contrôlés régulièrement, nous le savons. Il y a des gens de la préfecture, il y a des gens de l'ARS, il y a également des gendarmes ou des policiers en civil qui viendront pour voir si nous maintenons ces règles sanitaires. Je le dis ici parce que ça s'est déjà fait dans d'autres églises, donc je ne vois pas pourquoi on y échapperait. Alors nous, on n'a rien à cacher, simplement on veut respecter les choses. Alors veillez aussi à cela lorsque nous sommes ensemble, éviter les attroupements. Voilà, c'est compliqué. On le conçoit. Moi, le premier, je suis le plus heureux de pouvoir nous retrouver ici. C'est nettement mieux que devant un écran de télévision, n'est-ce pas? Mais voilà, les choses font qu'aujourd'hui, c'est comme ça et c'est compliqué. Alors, on va essayer de nous adapter et de faire en sorte que tout ce qui est contraint, tout ce qui est compliqué, on va le mettre de côté, n'est-ce pas? Et puis, on va se focaliser sur Jésus. Voilà. Ce n'est pas les choses extérieures qui sont la source de notre joie, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc pour tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, eh bien, ils peuvent suivre sur Internet et plusieurs sont connectés actuellement. Nous vous saluons à nouveau et nous vous disons merci de pouvoir suivre ces cultes également en live. Je pense que c'est important que vous puissiez aussi savoir ce qui se passe dans la région et puis comment eh bien, nous allons évoluer. Nous avions fixé ici pour Reims le quota à 100 personnes. Ce matin déjà, nous l'avions dépassé. Alors j'avais presque parié, je me suis dit, certainement ici à Reims, c'est comme ailleurs, les gens s'inscrivent au dernier moment. Eh bien, ça n'a pas manqué. Alors toute la semaine, on avait encore 40 places, 30 places, 20 places, etc. Et comme par hasard, depuis vendredi, samedi, tout s'est précipité et donc c'était un petit peu compliqué. Du coup, nous sommes en train de réfléchir à savoir si nous pouvons mettre en place rapidement un deuxième culte. La problématique du deuxième culte, c'est que nous sommes obligés de désinfecter la totalité de la salle, du balcon, etc., pour pouvoir ensuite eh bien, permettre à d'autres personnes d'assister à un deuxième culte. Donc pour cela, automatiquement, nous avons besoin de bonne volonté, nous avons besoin de monde. On a trouvé un système qui nous permettrait en une demi-heure, trois quarts d'heure, de désinfecter la totalité des chaises, etc., et de pouvoir eh bien, rajouter un deuxième culte, voire peut-être un troisième. Je ne suis pas dans la multiplication des cultes, mais pour permettre tout simplement en présentiel que la plupart de ceux et celles qui avaient l'habitude de venir ici puissent revenir, je pense que c'est important. Donc on est en train de réfléchir à tout cela, mais au moins peut-être deux, et ça nous permettrait d'avoir 200 personnes. Ça, ce sont des informations qu'on va vous donner prochainement. Pour l'instant, il n'y a rien de fait à ce niveau-là. Pour l'instant, pour l'heure, ce qu'on va vous demander, c'est que vous qui vous êtes inscrits ce dimanche pour assister à ce culte, ne vous inscrivez pas dès demain matin pour le culte suivant de dimanche prochain. Attendez un peu. Vous avez assisté à un premier culte en présentiel. Attendez toute cette semaine afin que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire puissent le faire. D'accord ? Et ce que nous allons faire, c'est qu'à partir de vendredi soir, samedi matin, eh bien, si vous voyez qu'à partir de vendredi soir minuit, il y a des places disponibles encore sur le site internet, à ce moment-là, inscrivez-vous.
Ça va ? C'est logique ? Comme cela, ça permet à toutes les autres personnes qui ne sont pas venues ce matin de pouvoir s'inscrire pendant toute la semaine et d'avoir la semaine, comme pour vous inscrire jusqu'à vendredi soir minuit. Et si toutefois, à partir donc de vendredi soir minuit, il y avait la possibilité d'avoir d'autres places, eh bien à ce moment-là, inscrivez-vous. Et on va faire ça chaque semaine afin que chacun puisse avoir le temps. Alors je compte sur votre diligence, mais en même temps sur votre honnêteté de bien vouloir respecter. C'est-à-dire que si vous inscrivez dès mardi ou mercredi, ben, c'est sûr que vous prenez la place de quelqu'un qui aurait peut-être pu venir. Donc merci de respecter ces quelques consignes afin que ça soit équitable pour tout le monde. D'accord ? C'est pas simple, on s'adapte, on essaye de faire au mieux. Je l'ai dit, donc, nurserie, nous ne pouvons pas commencer pour l'instant. L'accueil des mineurs non plus. Nous reprendrons certainement, par contre, les plus de 11 ans, c'est-à-dire les ados et puis les jeunes. Là, pareil, nous allons essayer de voir comment nous allons pouvoir reprendre les activités avec eux, parce que c'est différent, peut-être en plein air et puis dans d'autres circonstances. Mais les règles et les règles sanitaires et les gestes barrières seront de toute manière à respecter de la même façon. Voilà. Pour en tout cas les enfants les plus petits, l'équipe des animateurs, des animatrices sont en train de regarder un programme en vidéo pour que justement, eh bien, ils puissent aussi avoir quelque chose et garder le lien aussi entre les enfants et entre les animateurs. Je pense que c'est important. Maintenant, bien entendu, parents qui avaient des enfants, vous pouvez amener vos enfants au culte. Nous savons que c'est pas forcément toujours bien entendu adapté, mais nous réfléchissons aussi si c'est peut-être la solution pour faire un deuxième culte ou un troisième culte mais familial, c'est-à-dire vraiment adapté avec les enfants. Voilà, ce sont des idées qui sont là, on est en train de réfléchir. Si vous m'avez écouté sur notre chaîne de prière toutes ces dernières semaines, ces derniers mois sur Sentinelle de prière TV, vous m'avez entendu dire souvent « réinventons l'Église ». Et je crois que nous devons réinventer l'Église. Pas la théologie. D'ailleurs, le thème de mon message dans quelques instants sera « mensonge théologique ». Pas la théologie, mais l'Église, c'est-à-dire notre fonctionnement. Et comment nous percevons les choses, comment nous voyons les choses et comment nous allons pouvoir aller plus loin. On va en parler dans quelques instants. Voilà. J'aimerais remercier également tous ceux et celles qui continue à soutenir l'Église financièrement. Vous savez que c'est vraiment une nécessité. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il y a des engagements financiers sur l'Église qui sont très importants. Alors, à tous ceux qui ont maintenu leur offrande sur toute cette période, un grand merci à vous. Vous avez pu le faire par virement. Vous avez pu le faire via l'association Eloasso également. Ce sont tous des sites sécurisés où vous pouvez verser donner une offrande pour pouvoir soutenir le lieu de culte. Nous avons mis à la disposition ici, dans cette salle, au fond de la salle, deux troncs pour pouvoir justement ne plus passer les offrandes, les paniers dans les rangs, ce qui n'est plus autorisé. Mais vous pouvez déposer vos offrandes au fond de la salle. Et encore un grand merci pour cela. Vous savez que les charges vont très bientôt reprendre. Elles seront importantes à partir du mois d'octobre et il va falloir pouvoir soutenir cette situation actuelle malgré la crise du Covid. Vous l'avez remarqué également ce matin, nous n'avons pas mis en place la Sainte-Seine. Là aussi, c'est une réflexion. Nous en avons parlé mardi soir pour ceux et celles qui étaient présents à notre première rencontre, que c'était compliqué. Soit chacun amène son pain, son vin de chez lui, et puis nous partageons la Sainte-Seine ensemble, parce que la distribution est compliquée, ça risque d'être très long également, si nous devons mettre le pain dans un petit verre, le vin également, que chacun se lève, vienne prendre, etc. Voilà, on va essayer de voir comment nous pourrons aménager tout cela pour que nos rassemblements restent quand même une fête et une joie de célébrer Jésus. Amen. Alors encore une fois, toutes ces contraintes, on les prend, on les met à part et puis on va se concentrer sur le Seigneur. Voilà, il y aurait certainement encore pas mal de choses à vous dire dans les annonces importantes. Je pense que je n'ai rien oublié. Je regarde ma femme. Non, ça va. Où est-ce qu'il y a autre chose? N'hésitez pas. Et puis ensuite, on va vous communiquer également toutes les autres informations par SMS ou par mail, comme nous l'avons fait ces derniers temps.
Nous prions encore pour ce jeune homme, Levana, vous connaissez ? On a prié pour lui pas mal de temps, on continue encore à prier que le Seigneur puisse poser sa main sur lui. Alors, on va apporter ce garçon au Seigneur encore ce matin, et puis on va prier pour la parole de Dieu aussi, et nous ouvrons ensemble la Bible dans quelques instants. J'ai demandé au pasteur Michel Pimbé, est-ce que tu veux bien prier en notre nom à tous pour ce jeune homme, et puis pour la parole qu'on va ouvrir maintenant. Oui. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de mon message, je voulais annoncer « Mensonge théologique ». Ça a l'air étonnant comme titre, mais ça m'a interpellé. Pourquoi cela ? Eh bien, on va le développer un petit peu, parce que je crois que la période que nous sommes en train de vivre est intéressante pour chacun d'entre nous, pour pouvoir nous poser certaines questions, peut-être nous remettre en question, et également, eh bien, percevoir sur quoi nous sommes véritablement basés concernant notre foi, notre vie chrétienne, notre engagement spirituel. J'aimerais, pour appuyer ce thème, prendre ce passage que Paul cite aux Corinthiens, 2e épître, le chapitre 11 et le verset 4. Il va dire ceci, c'est dans la version S21, « Si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. » On reste là dans ce contexte, et simplement vous dire ceci, vous le savez, nous sommes dans une période tellement particulière, depuis plusieurs mois. Certains sont en souffrance parce qu'ils se sentent isolés. Certains sont en souffrance parce qu'ils ont eu des proches qui ont été malades. Certains sont en souffrance parce que certains de leurs proches sont décédés. D'autres se sont retrouvés dans des situations précaires, difficiles, compliquées. Bref, des familles ont été aussi dans des circonstances pas évidentes tous ces derniers temps. Alors, nous sommes passés par ces situations, mais quelque part, cela peut nous éduquer, nous enseigner. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que ce sont des situations comme celle-ci ou d'autres qui vont commencer à faire ressortir dans nos vies ce en quoi nous croyons vraiment. Quels sont nos fondamentaux ? Quelles sont nos valeurs ? Quelles sont nos croyances ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? C'est dans les épreuves, dans les combats, dans les conflits, dans les luttes, que bien souvent, toutes sortes de choses se révèlent. Et cette période particulièrement va dévoiler notre réelle compréhension, par exemple, des choses de Dieu. Elle met en exergue notre base doctrinale, nos fondamentaux. Vous savez, c'est comme un petit peu avec nos contrats d'assurance. Vous avez un contrat d'assurance ? Que ce soit pour la maison, que ce soit pour la voiture, que ce soit, peu importe, une responsabilité civile, etc. On a signé un contrat quelque part. Et vous, je pense que vous êtes comme moi, peu importe la difficulté qu'on va pouvoir traverser, on pense que de toute façon, on a bien compris notre contrat d'assurance, qu'on est bien assuré et qu'on est couvert pour tout. Et vous avez remarqué ? C'est lorsqu'il y a un problème qui survient, c'est lorsque quelque chose surgit, qu'on téléphone à l'assurance, et on leur dit, voilà, on vient de passer par telle et telle difficulté, on a tel problème, est-ce que l'assurance nous couvre ? Et là, vous avez quelqu'un qui va vous dire, attendez, je vais regarder,
la réglementation de votre contrat. Je vais regarder tous les petits articles. Et parfois, on a quelqu'un qui, au bout du fil, nous dit « Ah ben, monsieur, madame, vous n'êtes pas assuré pour ce dommage. » Ça vous est déjà arrivé? C'est agaçant, hein? Ça vous agace? Moi, ça m'agace, hein? Vous avez payé pendant des années, vous êtes presque convaincu qu'on vous avait dit quelque chose, mais vous n'avez peut-être pas bien compris ce qu'on vous avait dit, ou en tout cas, ça a été écrit d'une certaine manière. Et puis, le jour où il y a le problème, on vous dit « Ben non, vous n'êtes pas assuré, en fait. Il aurait fallu prendre quelque chose qui vient compléter la première assurance qui avait déjà été elle-même complétée par un autre complément d'un autre complément d'il y a dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans en arrière. » On est parfois dans des situations qui surgissent comme cela et qui vont tout simplement nous amener, et au travers aujourd'hui encore de nos discussions, de nos partages, de nos plaintes, de nos expressions de souffrance, d'être seul. Peut-être que certains n'ont plus d'espoir, peut-être que certains souffraient justement de ne pas être, bien entendu, sans église présente. Eh bien, cette situation va nous amener à faire ressurgir ce sur quoi s'appuie et s'établit réellement notre foi. Sur quoi sommes-nous véritablement établis? Notre vie chrétienne, elle s'appuie sur quoi? Dans ces périodes de tension, nous savons aussi que ce sont des périodes que Dieu utilise pour faire le point avec nous. Mais Dieu utilise des périodes de crise, pas des périodes où tout va bien, parce que là justement, tout va bien. Alors on ne réfléchit pas forcément, on ne se pose pas des questions. Mais Dieu sait utiliser les périodes de crise que nous traversons pour nous amener à nous faire réfléchir. Et c'est là, parfois, que peut ressurgir toutes sortes finalement de fausses croyances dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi dans l'Église. Comme le dira l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et déjà l'apôtre Paul reprenait les Corinthiens dans ce verset que je vous ai lu tout à l'heure. Il est dit « Si quelqu'un vient vous présenter un autre évangile, et je suis stupéfait par ce qu'il dit, vous l'acceptez, vous le supportez très bien. » Incroyable. Mais comment peuvent-ils le supporter? Comment Paul peut-il dire cela? Déjà à l'époque, il y avait des doctrines fallacieuses, déjà à l'époque, il y avait toutes sortes de théologies qui circulaient, et au travers desquels, finalement, les chrétiens étaient perturbés, ils se laissaient berner. Et Paul dit, au lieu d'avoir un appui spirituel, au lieu d'avoir un fondement spirituel qui vous permette tout simplement de détailler ce qui est vrai, ce qui est faux, eh bien vous supportez les fausses doctrines. Alors c'est vrai que parfois, quand on parle de fausses théologies, de fausses doctrines ou de faux évangiles, il y a ce qu'on connaît qui est grossier. Et dès qu'on le perçoit, on l'entend, on le voit, tout de suite, ça nous met un petit peu du recul. Et on se dit non, mais ça c'est... J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le diable est devenu un fin théologien. L'objectif du diable aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire en sorte que même ceux qui sont appelés au salut en soient détournés. Que nous perdions le chemin. Que nous quittions la route. Nous pourrions considérer cette période comme un test. Un test peut-être avant une réelle persécution contre les chrétiens du monde entier. Nous savons déjà que les chrétiens dans le monde sont persécutés aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau, hein, malheureusement. Et depuis 10, 20, 30 ans, la persécution des chrétiens dans le monde s'accentue, s'accélère. Ça devient de plus en plus horrible. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est prêt aujourd'hui pour diffuser, pour inciter à menacer, à persécuter une croyance, quelle qu'elle soit, sur le plan mondial. Est-ce que vous avez réalisé la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui? Alors, qu'on veuille Internet ou qu'on veuille pas Internet, la question n'est plus là aujourd'hui, mon frère, ma sœur. La réalité, c'est qu'Internet existe. Et aujourd'hui, il y a une puissance au travers des réseaux sociaux. Et nous voyons que très facilement, il y a une information qui est communiquée et cela va déclencher des actions impulsives, souvent même non réfléchies et même parfois non vérifiées. Mais ça va conclure
à toutes sortes de violences. À travers les réseaux sociaux, vous avez vu comment les gens sont affectés, touchés émotionnellement. Et ça crée tout de suite une action. Au départ, c'est quelque chose qui se passe dans un quartier. Aujourd'hui, avec le téléphone, tout de suite, ça prend une région. Ça prend un pays. Et aujourd'hui, ça prend la planète. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, ça rejaillit ici en France et vice-versa et ailleurs. Nous, nous l'avons vécu à Mulhouse. Lorsqu'il y a eu les problèmes que vous connaissez, tous ces clusters et tout, mais nous n'avons jamais été autant menacés, critiqués, persécutés. Alors bien sûr, la plupart des choses étaient concentrées sur l'église de la Porte Ouverte parce que c'est la plus grande. Ça a été celle qui a été la plus touchée. C'est là que la plupart des choses se sont passées et elle est très médiatisée. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de, il y a plus d'une dizaine, d'une quinzaine d'églises évangéliques intramuros qui ont particulièrement souffert pendant ces périodes-là. Plusieurs reprises, nous avons dû faire intervenir la police pour qu'elle vienne protéger notre lieu de culte à cause des menaces que nous avions, des lettres que nous recevions, des messages sur nos réseaux sociaux, justement, etc., etc. Il y avait un amalgame. Les chrétiens sortaient faire les courses, promener leurs chiens pendant la période de confinement, ils étaient insultés dans la rue. On leur disait que c'était à cause d'eux, tout ce qui était en train de se passer. Il y avait une telle méconnaissance des choses, simplement à cause de la puissance des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le fait de savoir est-ce qu'on veut de l'Internet, est-ce qu'on veut avoir nos cultes en live, est-ce qu'on veut... Ça, si on se pose cette question-là, on a juste 50 ans de retard. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment le gérer aujourd'hui pour nous, pour que nous soyons et nous sortions vainqueurs de cette situation. Que nous puissions l'utiliser à bon escient, afin que nous puissions tout simplement eh bien, utiliser les outils qui sont aujourd'hui des outils de communication, comme Jésus l'aurait fait, afin que tout simplement eh bien, nous puissions, avec ces outils-là, continuer à annoncer le vrai message de l'Évangile. Alors pourquoi aborder ce sujet ? Eh bien, tout simplement d'abord parce que la Bible en parle abondamment. Et la Bible nous dit qu'avant le retour de Jésus, et qu'il vienne enlever son église, eh bien l'ennemi va essayer de tout faire pour nous faire quitter la route, pour nous faire quitter le chemin, pour nous décourager, pour nous affaiblir, de nous faire quitter la foi. Et la réalité, c'est que vous et moi, nous connaissons certainement dans notre entourage des hommes, des femmes qui ont déjà abandonné la foi, n'est-ce pas ? Des hommes, des femmes qu'on appelle, excusez-moi vulgairement, des rétrogrades. Mais ce sont des hommes, des femmes qui se sont détournés. On n'est pas là pour chercher les raisons, mais au final, ils se sont détournés. Je prie s'il y a quelqu'un qui s'est détourné de la foi, détourné de la vie chrétienne, détourné de l'Évangile et qui nous écoute ce matin. Je te dis, mon frère, ma sœur, mon ami, reviens à Jésus. Il est temps que tu reviennes à Jésus. Peut-être que tu es sur ta tablette, peut-être que tu es sur ton ordinateur ou tu es sur ton écran de télévision ou ton téléphone, peu importe. Mais si tu entends ce message, je te dis, reviens à Jésus. Il est urgent de le faire. Et je m'adresse à ceux qui pensent qu'ils sont de vrais croyants, mais qui ont laissé dans leur vie toutes sortes de choses se rajouter, toutes sortes de péchés se manifester dans leur existence. Je vous dis, revenez à Jésus. Il est vraiment temps de revenir à lui. La Bible nous parle de ces choses. L'apôtre Paul nous met en garde régulièrement dans ses écrits, décrivant justement jusqu'à la banalisation du péché. C'est plus important le péché aujourd'hui. Et même pour les chrétiens, et je suis tellement étonné de ce que je peux voir et entendre, plusieurs lettres du Nouveau Testament nous préviennent des périodes difficiles qui vont s'abattre sur le monde chrétien et particulièrement sur le monde chrétien évangélique. Et déjà, plusieurs pays sont touchés aujourd'hui par la discrimination, par la violence, par le meurtre à l'égard des chrétiens. La question est, comment survivre à ce qui nous attend et à être vainqueur. Qui aurait pu s'imaginer que nous allions vivre ce que nous étions en train de vivre ces derniers mois ? Si le dernier mardi, ou avec le pasteur Éric Lefebvre que nous avons fait ici, on était plus d'une centaine, nous vous avions dit « Préparez-vous, les églises vont fermer ». Oh, peut-être vous auriez pris ça comme une prophétie, mais en disant, quand même, on ne voit vraiment pas comment. Hein. 5 jours après, nous, à Mulhouse, on fermait. Et ensuite, ça a suivi sur le reste de la France.
Qui sait ce qui nous attend demain ? Nous ne savons pas. La seule chose que vous et moi, nous devrions être sûrs, c'est ce en quoi nous croyons. C'est celui en qui nous sommes fondés. Alors comment survivre à ce qui nous attend et être vainqueur ? Une des réponses qu'apporte la Bible est intéressante, car depuis plusieurs décennies, dans bien des églises, nous proclamons ce message de l'Évangile. Là où j'ai beaucoup de craintes aujourd'hui et de soucis, dans le sens où je me rends compte que les fondations spirituelles de bien des chrétiens sont tellement appauvries aujourd'hui. Beaucoup de familles chrétiennes ne sont plus ces porteurs, ces transmetteurs de ce vrai évangile. Et la raison en est, je pense, assez simple. Déjà parce que beaucoup de familles lisent de moins en moins la Bible, individuellement et ensemble en famille. Beaucoup ne se nourrissent aujourd'hui qu'uniquement de vidéos sur Internet. Je ne suis pas contre les vidéos, vous le savez. Mais la problématique, c'est que peu importe ce que vous lisez dans un livre, peu importe ce que vous écoutez en message audio, peu importe le message vidéo que vous regardez, notre devoir, frères et sœurs, tout ce que nous percevons, entendons, recevons, c'est de le comparer à la parole de Dieu pour voir si cela est valable pour nous ou pas. Ou si parfois ce serait peut-être très insidieux et ça pourrait porter même à confusion. Nous devrions être régulièrement comme des chrétiens de Béret qui vont vérifier, vérifier et vérifier encore et accepter et avancer au travers de ce qu'ils reçoivent de la parole de Dieu. Vérifier en profondeur. Je suis inquiet de la génération qui monte aujourd'hui. La jeune génération, les enfants, les ados, les jeunes. Je suis très inquiet. Inquiet de quoi ? De ce qu'ils perçoivent, de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils ont reçu comme éducation spirituelle. De la part de l'Église ? Non. Ce n'est pas notre rôle à l'Église d'éduquer les enfants. C'est à vous, les parents, d'éduquer vos enfants. L'Église, c'est juste un plus. Vous avez des parents chrétiens aujourd'hui qui disent « on va les amener à l'Église, comme ça ils vont apprendre la foi, la vie chrétienne, les styles de, le principe de vie. » Non. L'Église, normalement, les cultes pour enfants, c'est juste un petit plus qui est apporté aux enfants. Qui vit H24 avec leurs enfants ? Les parents. Et c'est à vous, parents, d'éduquer vos enfants, de communiquer. Je suis inquiet, pourquoi ? Parce que dans cette génération montante aujourd'hui, les parents chrétiens ne leur ont pas donné pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart souvent, de bonnes habitudes. Oui, des bonnes habitudes, ne serait-ce que la lecture biblique journalière, le culte en famille, apprendre à prier ensemble, etc. etc. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons une génération qui arrive sans quasi aucune base doctrinale solide pour faire face à ce qui nous attend. Et alors, c'est à ce moment-là que justement certaines croyances font surface dans l'Église. Oui, certaines croyances dans des familles, dans des cœurs, dans des vies. Et ces croyances vont finir par devenir pour certains même des doctrines. Même chez nous, dans les églises évangéliques, assemblées de Dieu et tout ce que vous voulez, même chez nous, certaines croyances deviennent des doctrines. Et c'est cela qui, au final, va déformer la réalité du vrai évangile. Je vais vous donner un exemple, quelques exemples. Il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps qui s'intitule « Changer vraiment de point, comment ?» point d'interrogation, de Paul David Tripp et Timothy Lyne. Ce livre, vous pouvez le trouver un peu partout sur Internet. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'à un moment donné, il offre une liste de faux évangiles. Alors, comme je vous disais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on connaît les choses, et on se dit qu'on est au courant de tout cela. Mais finalement, la réflexion a été poussée, et c'est assez intéressant, et je vais vous donner quelques exemples qui sont tirés de ce livre. Parce que parfois, ces fausses croyances sont capables de venir dans notre esprit, même au sein même de l'Église que nous fréquentons.
Ils expliquent par exemple que chacun d'entre nous, nous pouvons y être attachés d'une manière ou d'une autre, nous appuyant finalement plus sur l'un que sur l'autre, oubliant parfois même souvent la base même du plein évangile que le Seigneur nous a laissé, qui est la grâce. Est-ce que nous nous souvenons encore aujourd'hui que nous sommes sauvés par grâce ? Est-ce que nous nous en rappelons encore ? Le commentateur va dire ceci : une église centrée sur l'évangile proclame ce message clairement, constamment et de façon pertinente et percutante. Pourquoi ? Parce que si le plein évangile n'est pas prêché tôt ou tard, un autre évangile va prendre la place. La nature a horreur du vide. Si l'intégralité de l'évangile biblique n'est pas au centre de notre vie, famille, couple, de notre ministère, de notre église, etc., alors un autre message va prendre la place, un autre évangile va devenir la vérité opérante dans le cœur des chrétiens. Et vous remarquerez, frères et sœurs, que très rapidement, c'est ce qui se passe déjà. Je ne suis pas en train de dire, comme l'apôtre dans Galates 1, qu'il existe un autre évangile. Non, il n'en existe pas d'autre. Il y en a qu'un seul. Je dis juste tout simplement qu'un faux évangile va prendre la place de l'évangile biblique si nous ne restons pas attachés au véritable évangile. Celui qui nous a libérés, celui qui nous a sauvés, cet évangile de la Bible, et que nous devons l'enseigner constamment. Posons-nous la question ce matin. Pourquoi venons-nous à l'Église ? Pourquoi l'Église nous a-t-elle manqué tous ces derniers mois, dans la pratique de notre foi au quotidien? Qu'est-ce qui nous semble être principal, l'essentiel, et qu'est-ce qui serait secondaire? La réalité, c'est que je crois que chaque chrétien ou chrétienne vit sa foi et sa vie chrétienne d'une certaine manière. Mais est-ce que nous pouvons comprendre ce matin ce que la manière dont nous vivons notre vie chrétienne ou dont nous vivons notre foi n'est pas forcément toujours biblique. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? On a une façon de vivre certaines choses, et même si parfois ce que nous vivons sur le plan de notre foi, de notre vie chrétienne, est biblique selon notre conception, peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas. Prenez des choses très simples, comme ceux qui boivent encore du vin et ceux qui n'en boivent pas. Et voilà, on a déjà un exemple. Et pourtant, comme pour l'un, comme pour l'autre, si les choses se font de manière raisonnable, aucun d'eux n'a péché. Et pourtant, dans certains pays, vous allez entendre que si on boit du vin, on a péché. Donc, c'est une conception et c'est une façon de voir les choses. La réalité, c'est que, en fait, nous n'avons pas à imiter d'autres chrétiens ou d'autres chrétiennes qui pourraient, par exemple, avoir une certaine influence sur nos vies, ou qui aurait parfois, pas ici à Reims, mais peut-être ailleurs, des tendances un petit peu narcissiques. Vous savez, à vouloir dominer, prendre position, à avoir une certaine forme d'autorité dans une communauté, et disent finalement aux autres ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent vivre leur vie chrétienne, comment ils doivent fonctionner, etc. Je sépare cela, bien entendu, de ce qu'on appelle le mentorat, la vie de disciple, qui est complètement différente. Parce que la vie de disciple, elle accepte que la personne avec qui vous partagez, et si toutefois elle n'était pas d'accord, quand je suis dans la vie de disciple, j'accepte que la personne me dise non. C'est sa responsabilité spirituelle, mais elle a le droit de dire non, de ne pas être d'accord, de ne pas comprendre. Et il y a un cheminement ensuite. Il y a une compréhension dans un cheminement spirituel qui est nécessaire. Alors, nous devons comprendre que notre seul exemple doit être Jésus-Christ. Amen. Notre seul exemple doit être Jésus-Christ. C'est comme si vous coupiez du bois pour l'hiver. Il y en a qui... Non, plus personne coupe du bois pour l'hiver aujourd'hui. Si, il y en a qui coupent du bois encore, eh ben, bon courage. Moi, je l'ai fait pendant des années. Vous savez, une des erreurs que j'ai fait au départ, j'ai mesuré le foyer dans lequel j'allais mettre la bûche. Et avec ma femme, on a pris un centimètre, on a regardé et on s'est rendu compte qu'il fallait des bûches de 50 centimètres. Alors, je me suis fait livrer du bois. On a commencé à couper du bois parce qu'il n'avait pas cette longueur-là. Alors, j'ai commencé à couper. Alors, j'ai mesuré le premier, j'ai coupé 50 centimètres. Je l'ai coupé. J'ai coupé la suite de la bûche.
Ensuite, ils sont tombés, j'ai pris le dernier, je l'ai placé, et à chaque fois, je faisais cela. Vous savez ce qui s'est passé ? À la fin, le bois que je coupais ne rentrait plus dans la cheminée. Bûche après bûche, il prenait 5 mm, 1 cm, 2 cm. Et au final, je me suis retrouvé avec des trucs de 60 cm. Mais vous ne vous en rendiez pas compte sur le coup. Je coupais, on entassait. Et puis on avait l'impression que c'était la même dimension. Mais au final, ce n'était pas du tout la même dimension. Et puis un jour, il y a quelqu'un beaucoup plus aguerri que moi qui est venu me voir, qui m'a dit « Tu sais pourquoi tu t'es trompé ?» Je dis « Ben non. » Il me dit « Parce qu'il ne faut jamais changer ton exemple. Tu coupes un tronc de 50 cm et tu le gardes toujours. Tu ne prends pas celui que tu coupes. Celui que tu coupes, il est coupé, tu le prends, tu le poses, tu le ranges. Tu gardes toujours le premier que tu as coupé qui fait la bonne dimension. Comme ça, tu auras toujours la même dimension de taille de bûche et tu n'auras pas de problème quand tu la mettras dans ton foyer. » Frères et sœurs, c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. C'est exactement la même chose. Arrêtons d'écouter uniquement des chrétiens qui nous disent ceci ou cela, qui veulent nous inciter à faire tel choix, à prendre telle décision. Moi, j'aimerais vous inviter à écouter Jésus. Écoutez Jésus dans votre vie. Jésus au travers de l'action du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Écoutez ce que le Saint-Esprit veut libérer dans votre cœur et comment il veut vous amener à toujours rester dans 50 cm de bûche. Et pas de rajouter des centimètres au fur et à mesure. Des personnes qui vont vous donner des pseudo-prophéties simplement pour vous appâter d'une certaine manière. Et puis après, peut-être même, d'influencer votre vie. Permettez simplement à Jésus d'influencer votre existence. Permettez simplement à Jésus d'influencer votre couple, d'influencer votre famille, d'influencer vos enfants. Personne d'autre, seul lui. Comment arriver à permettre à Jésus d'influencer le cœur, votre cœur, votre vie, comme ceux de ceux qui sont autour de vous? Prenez du temps dans la présence de Dieu. Lisez la Bible ensemble, priez ensemble, laissez tout simplement l'action de Dieu se manifester. Oh, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous poser certaines de ces questions, mais je crois qu'il est bon parfois de se poser certaines de ces questions, de réfléchir un petit peu pour savoir si nous sommes toujours sur le bon chemin. Jésus. Parce que c'est là, finalement, à la réponse à certaines questions, que bien des chrétiens divergent et au final ne sont plus d'accord. Je vais vous donner pour terminer juste quelques exemples qu'il y avait dans ce livre. Je regarde ma montre parce que celle-ci, en fait, n'avance pas et je me dis que j'ai encore vraiment le temps de prêcher. Mais je viens de réaliser que depuis tout à l'heure, elle est toujours bloquée à 10 heures moins quart. Donc, si vous avez encore 2-3 heures et que vous supportez le masque, je vais essayer d'avancer. Voilà, j'aimerais simplement vous donner quelques exemples, parce que je vous parlais tout à l'heure de faux évangiles. Et dans ce livre, justement, ils vont donner quelques exemples assez clairs, assez pratiques, mais des choses auxquelles on n'a peut-être pas forcément pensé, mais qu'on retrouve parfois dans l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas forcément que de Reims. Je parle de l'Église avec un grand E, n'est-ce pas ? De manière beaucoup plus large. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique ? Qu'est-ce qui peut remplacer le vrai évangile dans notre vie ? Parfois, certaines de nos pratiques. Par exemple, le chrétien qui, lui, aime vivre dans ce qu'on appelle le formalisme. Alors, c'est quoi cela ? C'est le chrétien qui va participer à toutes les réunions de l'Église, il va participer à toutes les activités de l'Église, et puis, tout simplement, par conséquent, il va croire que parce qu'il est là, à chaque réunion, sa vie est sous contrôle. Voilà, il participe, il est là, et c'est très bien. Je ne dis pas que c'est mal. Mais le problème, c'est qu'il va à l'église, il assiste à la plupart des réunions, mais la réalité, c'est que les réunions ont très peu d'impact sur sa vie personnelle. Les réunions, les temps spirituels, ne contribuent plus à un changement, à une transformation. Il est là, ou elle est là, elle participe, mais il ne se passe rien véritablement, ou plus rien en profondeur. C'est comme si des habitudes avaient été prises. Et parfois, vous avez des personnes, encore une fois, pas ici bien sûr, mais qui, à cause de leur style de vie, parce qu'elles sont là tout le temps, alors elles vont juger les autres, qui ne sont pas là tout le temps. Ils ou elles vont être impatients avec ceux qui n'ont pas la même compréhension de l'engagement que lui.
On retrouve ça un petit peu ? Ça vous parle ? Un deuxième exemple. Le chrétien, par exemple, qui vit dans le mysticisme. Alors c'est quoi ? C'est un chrétien tout simplement qui est en perpétuelle recherche d'une expérience émotionnelle avec Dieu. C'est-à-dire que quelle que soit la réunion qui va se passer, il faut que quelque part on ressente quelque chose. Et si je ne ressens rien sur le plan émotionnel, que je ne pleure pas, que je ne commence pas à avoir des frissons ou autre, eh bien là je commence à être malheureux. Je commence à dire, mais il est où Dieu ? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, ce matin, il n'est pas là. Je n'ai pas ressenti ce que je ressens d'habitude. C'est-à-dire que finalement, notre base doctrinale est tout simplement appuyée sur le fait de ce que je ressens. La problématique de cela, c'est qu'au final, on est souvent triste, découragé, parce que lorsque nous ne ressentons plus ces émotions, lorsque nous ne ressentons pas ces choses, nous pensons finalement que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est pas là, ou alors le pasteur n'est pas du tout dans le coup, ou alors le groupe de louanges, ça l'a pas fait ce matin, c'était pas, non, ils n'avaient pas l'onction, là, ça pouvait pas aller, ou alors l'accueil, ça n'a pas marché, ou parce qu'il y avait quelque chose qui était... Voilà, on va toujours mettre la faute sur quelqu'un d'autre, parce qu'on ne ressent pas une émotion particulière. Et ce sont des gens qui très souvent sont dans la tristesse, dans le découragement, la souffrance, parce qu'ils ne se sentent pas tout le temps dans un état émotionnel sur le plan spirituel. Ils vont même jusqu'à changer d'église de temps en temps pour essayer de rechercher une autre qui pourra justement leur convenir, les satisfaire un peu mieux sur ce plan émotionnel. Troisième exemple que vous avez, c'est le chrétien qui vit dans l'activisme. C'est le chrétien tout simplement qui reconnaît la nature missionnaire, voire même sociale, bien entendu, du christianisme, et qui est passionné ou passionnément impliqué dans tout ce qui peut contribuer à la réparation de ce monde brisé. Et ensemble, sur cette première phrase, on peut dire amen, n'est-ce pas ? On doit être concerné par cela. Mais le problème, c'est de ne plus voir que ça. On tombe dans l'activisme. Et donc au final, sa vie sera souvent déséquilibrée en étant davantage préoccupée par une défense de la justice que finalement par une saine et joyeuse recherche du Seigneur lui-même. Manque d'équilibre. Quatrièmement, le chrétien qui vit dans le biblicisme, c'est le chrétien qui va connaître et qui va dire surtout aux autres, parce qu'il aime ça, qu'il connaît sa Bible à fond. Il est capable de citer des versets, il est capable de vous faire des études, il est capable de vous prendre toutes sortes de passages bibliques, de vous les donner, etc. La seule problématique, c'est qu'il ne laisse plus ces passages bibliques transformer sa vie. Il réduit l'évangile tout simplement à une série de propositions théologiques. Et le résultat, c'est qu'il est souvent intolérant, voire même critique à l'égard des autres, et notamment à l'égard de ceux qui ne connaissent pas la parole comme lui, par cœur, la connaît. Cinquième exemple. Le chrétien qui vit dans le thérapisme. Oui, on invente un peu des mots pour essayer de... C'est le chrétien qui va beaucoup parler aux membres blessés de son assemblée et de son entourage et qui va leur dire que Christ est la seule solution à leur souffrance. Là aussi, quelque part, on pourrait être d'accord. Et pourtant, est-ce là la totalité de l'évangile ? J'en suis pas sûr. Parce que finalement, il ne se rend pas compte qu'en présentant uniquement Jésus de cette manière-là, il crée plutôt un Jésus thérapeute plutôt qu'un Jésus sauveur. Or, en premier, Jésus est le sauveur. Il vient après combler nos vies. Alléluia. Mais en premier, il est le sauveur. Et si Jésus avait décidé, par exemple, que tu restes avec ta souffrance. Et si Jésus avait décidé finalement que pour toi la guérison ne devait pas venir et que tu dois rester dans le combat qui est le tien aujourd'hui, n'est-ce pas le cas de beaucoup d'entre nous ? Est-ce que ça veut dire qu'on est contre la guérison divine ? Pas du tout. Moi, quand Dieu veut guérir, il guérit. De toute façon, ce n'est pas moi qui guéris, c'est lui. Donc, en gros, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas ? Voilà. Donc moi j'ai toujours la foi en disant Seigneur, si tu veux guérir cette personne-là, si tu veux rétablir sa vie, fais-le, alléluia. Et gloire soit rendue au Seigneur
pour les guérisons qu'il accomplit encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu guérit les malades. Oui ou non ? Est-ce que vous y croyez encore ? Amen, moi j'y crois. Mais il y a parfois des circonstances, des situations où, eh bien, c'est peut-être pas le plan de Dieu à notre égard. Et ça, ça fait partie aussi de l'équilibre. Or, si vous êtes avec quelqu'un qui vous prêche constamment que de toute façon, Dieu doit forcément te guérir, et s'il ne te guérit pas, c'est qu'il y a un péché dans ta vie. S'il ne te guérit pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. S'il ne te guérit pas, c'est que tu n'as pas assez donné d'argent. Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui, le faux évangile. Jésus ne guérit pas à cause de l'argent que tu vas déposer dans le tronc tout à l'heure. Vous avez prévu de faire tout à l'heure pour... Ah, d'accord. Alors, vous pouvez le faire, mais Jésus ne guérit pas à cause de ça. Jésus guérit uniquement, vous savez, à cause de quoi ? À cause de son amour et de sa grâce. D'ailleurs, combien de fois, vous et moi, nous avons reçu une bénédiction de la part de Dieu, et quand on regarde notre vie, on s'aurait dit, j'ai reçu ta bénédiction, mais là, franchement, je ne l'aurais pas mérité. On n'a pas vécu ça ? On a tous vécu ça à un moment donné de notre vie. Vous savez, parfois on essaye d'appliquer notre vie bien cadrée, bien correcte, et on a raison de le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans le péché. Hein. Ne faites pas un jour comme ce jeune homme qui est venu me voir au bureau, qui m'a dit, j'ai compris la parole, maintenant, pasteur, j'ai compris qu'il fallait que je vive abondamment dans le péché. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Il me dit, oui, parce qu'il est écrit que celui qui vit abondamment dans le péché, la grâce de Dieu surabonde. Je dis, viens, on va faire une étude ensemble, je vais t'expliquer les choses un peu plus concrètement. Et on va aller en profondeur, justement. La compréhension des gens, c'est juste impressionnant des fois, n'est-ce pas ? Non, on a raison de marcher dans la sainteté, dans la pureté. C'est là où le Seigneur nous conduit. D'ailleurs, il nous dit, sans la pureté, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc nous sommes appelés à cela, n'est-ce pas ? Mais combien de fois nous avons été bénis alors que notre vie n'était pas parfaite ? Et encore aujourd'hui, ma vie, ta vie n'est pas parfaite. Et pourtant, la grâce de Dieu, elle est là. Alors, nous devons rétablir ces choses. Nous ne devons pas simplement annoncer un Jésus thérapeute qui va guérir, qui va... Oui, Jésus fait des choses, il n'y a pas de problème. Mais en premier, il est le sauveur. Parce que la problématique de cela, c'est qu'au final, eh bien, il voit la souffrance comme un plus grand problème parfois même que le péché. Et au final, ses besoins non satisfaits vont remplacer tout simplement sa faillite spirituelle. Sixièmement, dernier, le chrétien qui vit dans le socialisme, je ne fais pas de politique, hein. Écoutez bien, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement le chrétien qui est à la recherche de l'amitié, le chrétien qui est à la recherche de la communion fraternelle, le chrétien qui veut tout simplement des liens, des relations. C'est-à-dire que pour ce chrétien-là, l'Église, le corps de Christ est devenu plus important que Christ lui-même. Vous me suivez ? L'Église, le corps de Christ... Nos relations sont devenues plus importantes que Jésus. L'évangile se réduit pour ce chrétien, cette chrétienne, à simplement un réseau de relations qui doit être satisfaisant et qui surtout doit répondre à mes besoins. Et si jamais l'Église ou le réseau de relations que j'ai ne répond pas à mes besoins, alors je suis frustré. Je suis mal à l'aise, je dis que l'Église manque d'amour, elle manque de relations, elle manque d'accompagnement, et j'ai toutes les excuses, etc., etc., etc. J'ai bien conscience que cette présentation de, entre guillemets, faux évangile est caricaturale et malheureusement non exhaustive. Malheureusement, nous retrouvons de plus en plus cette mentalité aujourd'hui, au milieu de nous. Je vous ai donné que 5-6 exemples, mais il y en aurait bien entendu d'autres. De quel faux évangile, vous et moi peut-être, nous nous sentons le plus proche ? Moi, pendant un temps, par exemple, ça a été l'activisme. Avoir ce sentiment de faire des choses pour être valorisé auprès de Dieu. Et lorsque je me suis converti quelques années plus tard, je suis tombé dans ce piège-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sois épuisé. Et puis qu'au final, le Seigneur me dit, alors maintenant que tu es épuisé, tu fais quoi ? Tu sers à quoi, là, par terre ? À quoi tu sers ? Eh bien, plus rien. Alors, il a commencé
à me réapprendre, à me réorganiser, à structurer ma vie, à replanifier ce que je devais faire, à remettre des priorités dans mon existence. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à devenir beaucoup plus productif pour le royaume de Dieu. Et c'est là que Dieu a ouvert les portes ensuite, même vers un ministère qui s'est beaucoup plus étendu sur l'international, au niveau national, avec des actions sociales et des choses comme cela. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que l'œuvre de Dieu, eh bien, avait permis qu'il mette le doigt sur des choses que j'avais besoin de régler dans ma vie. De quel faux évangile nous nous sentons le plus proche ? De quel de ces exemples nous nous sentons le plus concernés ? Est-ce que nous aurions besoin, peut-être ce matin, de nous remettre en question ? Aurais-je besoin de revenir aux vraies origines, à celui qui est l'origine de l'évangile, de la bonne nouvelle, Jésus-Christ lui-même ? Je termine. Nous comprenons que ces façons de vivre ne découlent pas, n'est-ce pas, d'une saine compréhension de l'évangile. Et que vivre de cette manière, eh bien, ça nous amène tout simplement à un évangile exclusif, qui est un manque d'équilibre spirituel. Et souvent, ce n'est pas volontaire, mais ce sont des habitudes de vie qui se sont installées comme dans notre routine. Et nous en devenons tout simplement victimes parce que ça devient notre style de vie. C'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui de nous réveiller, frères et sœurs. Nous avons besoin de nous reprendre parce qu'aucune de ces présentations n'est un bon exemple à suivre. Ce ne sont pas des signes d'une spiritualité équilibrée. Ces façons de vivre sont tout simplement trompeuses, exclusives et nous privent finalement de l'ensemble des bienfaits qui découlent du plein évangile. Parce que ces faux évangiles mettent tout simplement le doigt sur un des aspects de l'évangile, mais au final déforment l'ensemble du message. Oui, c'est vrai. L'évangile me pousse à un changement personnel. Oui. Oui, j'ai besoin de vivre des temps spirituellement forts lorsque nous nous rassemblons. Et parfois, il y a des moments émotionnels, il y a des temps que nous vivons, bien entendu, mais je ne vis pas que de ça. Vous comprenez ? Je ne vis pas que de ça. Ça fait partie de l'évangile. Ça fait partie de ce que je dois vivre. Ces temps où parfois le Saint-Esprit, par sa grâce, nous visite puissamment. Ah oui, ça en fait partie. Mais pas tous les jours. Nous, on aimerait tous les jours. Mais ça ne se passe pas tous les jours. Alors c'est là où nous devons être équilibrés. Oui, l'évangile me permet d'intégrer une communauté. Oui, l'évangile me permet d'avoir des relations avec les autres. Mais l'évangile, ce n'est pas que des relations avec les autres. Oui, j'ai besoin de lire, de méditer, de connaître la Bible, d'avoir une connaissance qui se développe. Et bien entendu, in fine, eh bien, l'évangile va combler toutes sortes de parties de ma vie dans mes besoins personnels. Mais il y aura peut-être encore des manquements parfois. L'évangile ne peut donc pas se réduire tout simplement à un seul de ces aspects, parce que nous apprécions l'un ou l'autre. Lorsque je lis tout l'évangile, lorsque vous et moi nous reprenons la Bible et que nous commençons à réouvrir et que nous découvrons cette puissance de l'évangile, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons tout simplement, en découvrant ce que nous lisons, une puissance de transformation. Une puissance de transformation qui agit tout au long de notre vie et dans tous les domaines de notre existence. L'évangile, ce n'est pas simplement quelque chose qui agit dans un petit domaine ici ou là parce que nous le favorisons ou parce que nous l'aimons. L'évangile a cette faculté d'agir dans tous les domaines de notre existence. C'est bien plus que quelque chose à faire ou que quelque chose à dire. Je crois personnellement que l'évangile, c'est un style de vie, c'est un style de pensée, c'est une attitude dans le secret comme dans le public. Oui, dans le secret de notre vie, aussi l'évangile doit se manifester. Hello ? Pas simplement quand on est en famille, pas simplement quand on est avec des frères et sœurs, pas simplement quand on est à l'église, mais dans notre vie intime, dans notre vie personnelle, la puissance de l'évangile doit encore se manifester. Nous le savons, tout changement dans notre vie commence dans notre esprit, par une décision, par des choix. Ça nous amène à une réflexion personnelle par notre intelligence. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Soyez renouvelés dans votre intelligence. »
afin de vivre d'une manière digne de l'Évangile, une vie qui honore pleinement Dieu. Voilà, c'est notre mot d'ordre. Et que dans cette année qui s'en vient, nous puissions chacun d'entre nous dans la famille MCE, ici à Reims, mais aussi à Épernay, à Fagnières, que chacun d'entre nous et dans toute cette région, nous soyons renouvelés dans notre intelligence afin de vivre d'une manière digne de l'Évangile qui honore notre Seigneur. Alléluia. Plus je vais m'exposer aux vérités de l'Évangile, plus le Saint-Esprit va pouvoir travailler en moi et me permettre d'en vivre toutes les implications. Mais c'est à moi de m'exposer, de me confronter à cette parole et de laisser cette parole pénétrer mon cœur, ma vie, mon entendement, mon intelligence, ma compréhension. Mon frère, ma sœur, sors de tes principes, sors peut-être même de ta compréhension d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, même peut-être il y a 5 ans ou 3 semaines, et laisse-toi tout simplement renouveler par le Saint-Esprit. Nous en avons tous besoin. Alors, pour rectifier le tir, nous devons apprendre à remplacer ces caricatures de l'Évangile par le vrai Évangile. Parce que déjà, les avertissements de l'apôtre Paul étaient là, et pas simplement aux Corinthiens, comme nous l'avons vu en introduction, mais aussi aux Galates. Regardez ce qu'il va dire aux Galates. Il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'Évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un Évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » C'est ça que ça veut dire. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, répète l'apôtre Paul. Pourquoi devons-nous impérativement comprendre cela, frères et sœurs? Tout simplement car, comme cela a été le cas ces derniers mois, peut-être qu'un jour, et peut-être plus tôt que cela, on peut le penser, toutes ces parties que nous venons de citer de faux évangiles, eh bien, peut-être que toutes ces choses seront tout simplement bel et bien supprimées. Nous serons peut-être dans l'impossibilité de les vivre comme nous les vivions au préalable. Et peut-être, mon frère, ma sœur, que la seule chose qu'il va te rester, c'est en fait ta relation avec Jésus-Christ. Sauf si pendant toute cette période, toutes ces années, tu n'as pas entretenu ta relation avec ton Jésus, le jour où on t'enlève l'Église, tu es perdu. Le jour où tu n'as plus le droit d'avoir une Bible à lire, tu seras perdu. Le jour où tu n'auras plus de communion fraternelle, où tu vas pouvoir t'appuyer sur les uns et sur les autres comme tu le fais jusqu'à présent, tu seras perdu. Et vous pouvez reprendre tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure et en rajouter plein d'autres. Notre base, c'est Jésus. Et cette base-là, il faut l'entretenir. Bien sûr, le reste se rajoute. La communion fraternelle, le fait d'être ensemble, mais avec aussi équilibre. On n'entre pas dans la vie des gens. On n'est pas là pour connaître leur vie, pour les diriger, pour les conduire. Non, chacun est libre dans le nom de Jésus. Alors que devons-nous faire? Revenir à l'évangile biblique? Revenir à un évangile équilibré et rempli de la grâce de Dieu? Revenir à prêcher tout simplement la vérité, à enseigner la vérité dans l'amour, comme le précise par exemple Éphésiens chapitre 4 et le verset 15. Et pour cela, qu'est-ce que nous avons besoin? Je vous laisserai pour finir simplement deux versets, Colossiens, le chapitre 3, le verset 1er, qui dit tout simplement « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » Et je crois que nous en sommes venus, frères et sœurs, où nous devons rechercher aujourd'hui les choses d'en haut. Ce qui se passe dans notre monde nous montre que nous devons nous attacher aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet,
vous avez connu la mort et votre vie est cachée maintenant avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Et c'est là notre espérance. Amen. Mais pour que nous ayons maintenu cette espérance-là, il faut maintenir et il faut entretenir cette relation. Et pour cela, comment l'entretenir ? Avec des lois, avec une dictature, avec des principes ? Non, avec 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, où il nous est dit à chacun d'entre nous, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Alors, frères et sœurs, revenons, non pas simplement à un évangile, mais revenons à celui qui est l'évangile. Revenons à celui qui est la bonne nouvelle, Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvons cette intimité proche. Délaissons dans nos vies, et si c'est le cas, eh bien oui, délaissons ces choses qui peut-être ont remplacé le vrai évangile. Je vais demander au groupe de louanges de me rejoindre. On va terminer encore par un chant cette matinée. On va en profiter d'être là ensemble pour terminer dans la présence de Dieu et dans la joie. Mais il y a peut-être des choses à délaisser, mon frère, ma sœur. Il y a peut-être des choses où il va falloir comprendre qu'elles ont dominé notre vie. Peut-être nous avons donné une certaine facette à l'évangile, une certaine couleur à l'évangile, qui n'est peut-être pas la bonne, qui n'est peut-être, qui a été un petit peu trop exagérée dans notre vie. Le Seigneur nous appelle tout simplement à retrouver un équilibre. Alléluia. Retrouver un équilibre de vie. Retrouver un équilibre dans le fonctionnement avec le Seigneur. Retrouver un équilibre selon sa parole, ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux pendant quelques instants et prier le Seigneur maintenant et lui dire tout simplement, Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour ton œuvre et merci pour ton action au milieu de nous. Nous sommes là et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ta grâce encore et à ton action. Seigneur, pardon parce que parfois dans nos vies, tu as pu voir que nous avions tout simplement déraillé un petit peu, pris quelques voies de traverse. Peut-être que nous avons mis en exergue certaines choses et puis nous nous y sommes tellement attachés parce qu'elles nous plaisaient. Mais finalement, nous avons peut-être oublié peut-être l'amour, oublié la grâce, oublié la communion, oublié peut-être la miséricorde. Peut-être il y a des choses que tu voudrais que nous puissions reprendre dans notre vie afin de retrouver un équilibre de ton évangile, tel que toi, tu avais cet équilibre lorsque tu étais ici-bas et l'exemple que tu nous as laissé au travers de ta parole. Alors Seigneur, merci de toucher nos cœurs et nos vies ce matin. Merci de nous interpeller encore et de nous parler. Sois ici, dans ce lieu, dans cette salle, ou au travers de la chaîne YouTube, qu'au travers de Internet, ceux et celles qui nous entendent, nous écoutent actuellement, puissent aussi se remettre en question, être interpellés par ta parole, afin de retrouver cet équilibre de la puissance de l'Évangile. Seigneur, merci. Parce que ce que nous réalisons, c'est que à chaque instant, à chaque moment, toi, tu n'es pas là pour nous juger, pour nous critiquer ou pour nous écraser, mais tu es là pour nous tendre la main. Tu es là pour nous amener à essayer de nous amener plus loin avec toi. Alors merci pour les opportunités que tu nous donnes. Et merci encore pour cette matinée, cette première matinée où nous avons pu ensemble nous rassembler, nous retrouver. Seigneur, nous te bénissons afin que nous puissions tout simplement redémarrer nos cultes, nos rencontres, nos temps spirituels sur de nouvelles bases. Sur des bases qui viennent de toi, en replaçant au centre de l'Église, comme au centre de notre vie, le plein évangile de Jésus-Christ. C'est toi le chef de l'Église et c'est toi que nous voulons suivre. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble ce chant pour terminer ces moments. Ô Éternel, nous voulons encore te chanter, Seigneur, ce matin, te dire que tu es saint, te dire que tu es merveilleux, te dire que tu es grand et nous voulons te remettre au centre de nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous centrer sur autre chose que ta personne, Seigneur, que notre relation avec toi. Seigneur mon Dieu, si nous avons dévié de cela, Seigneur, pardonne-nous.
Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, si nous avons mis, Seigneur, le service avant ta personne, Seigneur. Si nous avons mis, Seigneur, les autres avant ta personne, Seigneur. Peu importe ce que nous...